Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine qui s'accompagne de l'annonce d'un nouvel allègement des mesures sanitaires en vigueur à Monaco. Le ministre d'État sera notre invité pour dévoiler les changements qui nous attendent, au premier rang desquels notamment une mesure très attendue, la fin du port du masque en milieu scolaire lors des cours de PS notamment, et à l'extérieur, hors des zones très fréquentées par le public. Le 11 octobre marque traditionnellement la journée internationale de la fille instaurée par l'ONU, une journée qu'a tenu à mettre à l'honneur le Conseil national aux côtés de l'association She Can, He Can, reportage à suivre. C'est mardi soir que seront remis les prix annuels de la Fondation Prince Pierre. L'heure est aux délibérations pour le Conseil littéraire et pour le Conseil musical. Le secrétaire général de la Fondation, Jean-Charles Curot, sera avec nous à la veille du palmarès. Nous entendrons également dans ce journal la diva Angela Georgiou, la chanteuse d'opéra, s'est produite en ouverture de la saison 2021-2022 de l'Opéra de Monte-Carlo. Dans le chapitre sportif de ce journal, nous reviendrons sur la victoire de la Roca Team face au Mans dimanche 80-70, le Grand Prix de Formule 1 de Turquie ou encore le Challenge Prince Héréditaire Jacques de Pétanque. Mais tout de suite, sans plus attendre, nous allons retrouver le ministre d'État. Un nouvel allègement des mesures sanitaires va intervenir. Nous allons en entendre les modalités. Bonsoir Pierre Dartout. Bonsoir. On a le sentiment que l'accalmie est durable actuellement sur le front de la pandémie. Est-ce le cas ? Bien écoutez, nous espérons qu'elle sera durable. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans une situation qui est beaucoup plus favorable qu'au mois de juillet dernier, puisque par rapport au pic que nous avons connu en début d'été, par exemple, le taux d'incidence a été divisé par 5. Pour que cela continue, eh bien, il faut qu'on respecte un minimum de choses, et notamment toujours les gestes barrières, et qu'il y ait plus d'habitants, de résidents de la principauté qui aillent se faire vacciner. Alors, nous y viendrons justement sur ce point, la vaccination. Mais avant toute chose, peut-être, ce que tout le monde attend, ce sont donc les nouvelles mesures. La situation actuelle permet un nouvel allègement. Il est tout d'abord question du port du masque, hein, qui, il faut bien le dire, fait débat. Oui, alors nous savons qu'il fait débat parce que nous savons que c'est vrai, il est nécessaire dans certaines circonstances d'avoir le masque, mais on sait que ce n'est pas agréable pour quiconque. Bon, ce qui a été décidé par le souverain sur proposition du gouvernement, avec après l'avis du Conseil national qui a été consulté, c'est que dorénavant le port du masque en extérieur ne serait plus obligatoire, qu'il serait réservé à certaines zones qui sont particulièrement denses, comme la place du marché, comme l'esplanade qui est devant le carrefour, ou comme la gare et les allées qui desservent la gare. Ces endroits-là connaîtront une obligation de port du masque. Mais à l'exception de ces endroits, qui seront bien sûr énumérés, le port du masque ne sera pas obligatoire en extérieur. Bien entendu, il demeurera obligatoire dans les endroits intérieurs qui sont ouverts au public. Comme par exemple pour les spectacles ou événements sportifs ? Absolument. Qu'en est-il ? C'est une question que se posent beaucoup de parents. Qu'en est-il du port du masque en milieu scolaire et notamment pour les plus petits en primaire ? Alors, pour ce qui concerne d'abord les activités physiques et sportives, tant en intérieur qu'en extérieur, il a été décidé que le port du masque ne serait plus obligatoire. En revanche, et ça c'est valable pour toutes les couches, c'est-à-dire à la fois le primaire, le secondaire. Pour ce qui concerne le port du masque, notamment dans le primaire, nous souhaitons, même si l'évolution est favorable, mais très récemment, nous avons eu à nouveau des contaminations qui ont été enregistrées. Donc, nous devons être prudents. Il faut que les choses, comme vous le disiez tout à l'heure, soient durables. C'est pour cela que nous donnons encore quelques temps, quelques jours, pour apprécier si la situation nous permet, pour ce qui concerne les enfants qui sont dans le primaire, d'être dispensés de masques à l'école. Donc pour l'heure, le masque reste indispensable dans les établissements scolaires. Absolument, hein. Pour l'instant.
Venons-en à la vaccination. Avant d'évoquer une éventuelle troisième dose, que reflètent les chiffres actuels de la vaccination à Monaco? Sommes-nous à des taux jugés suffisants? On n'est pas encore à des taux jugés suffisants, même si nous sommes dans une position qui nous place bien avant d'autres nations. Mais nous ne sommes encore loin du taux de 90% qui aurait pour effet de donner cette immunité collective. Donc nous répétons le message, il est absolument indispensable d'aller se faire vacciner. Il faut que les gens qui hésitent encore soient bien conscients que dans l'ensemble du globe, les vaccins n'ont pas eu de conséquences graves, qu'ils sont indispensables pour soi-même et surtout pour les autres. Quid d'une troisième dose de vaccin pour laquelle la Haute Autorité de Santé française, notamment, s'est dite favorable la semaine dernière? Alors absolument, il y aura dorénavant la possibilité pour les personnes de plus de 65 ans de bénéficier d'une troisième dose dans le sens que vous avez indiqué, à savoir l'avis qui a été rendu par l'autorité de santé française. Il est important également de rappeler les modalités d'usage du pass sanitaire, alors notamment pour les personnes qui doivent se rendre dans des centres hospitaliers ou des EHPAD. Absolument. C'est une demande qui a été faite par ces établissements. Il s'agit là des visiteurs, des personnes qui viennent voir ou les malades ou les personnes âgées. Il faut qu'elles aient le pass sanitaire. C'est une mesure de sécurité, notamment pour ceux qui sont abrités dans ces établissements. Et je pense que c'est une mesure de bon sens. Pierre Dartout, merci pour ces précisions autour de ce nouvel allègement des mesures sanitaires. Merci à vous. Voilà donc pour ces nouvelles mesures, dont celle qui était particulièrement attendue, la fin du port du masque pour les activités sportives à l'école et en extérieur dans les lieux peu fréquentés. Nous célébrions aujourd'hui la Journée internationale de la fille. Le Conseil national et l'association ICANN ont convié plusieurs lycéens dans l'hémicycle pour marquer ce rendez-vous annuel instauré par l'ONU le 11 octobre. Sandrine Nègre et Orazio Gaggino y ont assisté. L'image est forte et symbolique. Un hémicycle quasiment féminin et pour cause. Ce 11 octobre a été déclaré Journée internationale de la fille par l'ONU. Objectif, permettre un changement des mentalités. Stéphane Valéry et Nathalie Amorati-Blanc n'ont pas manqué de le répéter à ces jeunes lycéennes. Et qu'est-ce qui peut les empêcher de devenir ce qu'elles veulent? Eh bien, la réponse est simple, rien. Plusieurs sujets ont été évoqués au cours de ce rendez-vous. Le thème pour cette édition 2021, le numérique et la digitalisation. Je pense que c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup touchée en tant que fille, mais plus particulièrement, surtout étant une jeune femme qui aimerait faire de la politique plus tard, je me rends compte que la place de la femme est très importante et qu'il faut mener un combat. Et notamment à travers les réseaux sociaux, j'ai toujours eu cette notion, mais j'ai jamais vraiment porté d'attention à cette notion. Et je pense que c'est vrai qu'à travers les médias, j'ai toujours vu ça très négativement. C'est-à-dire que la femme était vraiment... elle menait un combat compliqué face aux standards, mais qu'en fait, on pouvait utiliser les réseaux sociaux d'une bonne manière pour justement sensibiliser et communiquer par rapport à ce combat. Et si des lycéennes étaient conviées à ce rendez-vous, des lycéens l'étaient également, car le changement les implique aussi et passe en partie par eux. Mais grâce à la réunion d'aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, l'homme avait un très grand rôle à jouer parce que c'est lui qui pourra faire avancer les lois, par exemple, même si ce n'est pas en changeant une loi que tout change directement comme on l'a vu. Mais au moins, grâce aux hommes, la place des femmes va être de plus en plus importante, comme essayer d'avoir une équité entre les hommes et les femmes dans les entreprises. Je n'ai pas eu cette vision, selon moi, de directement, c'est tout la femme. Pour moi, c'était déjà 50-50. Et du coup, c'est bien que maintenant, on essaye toujours de pousser plus le 50-50. La Journée internationale de la fille était ainsi organisée et proposée par le Conseil national et l'association ICANN. Ouvrons le volet sportif de ce journal. Vanessa Dessy nous a rejoint. Débutons par le Grand Prix de Formule 1 de Turquie qui a eu lieu
dimanche. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Et oui, Valtteri Bottas remporte ce dimanche la 10e victoire de sa carrière en Formule 1 devant le pilote Red Bull Max Verstappen qui reprend la tête du championnat. Charles Leclerc sur Ferrari termine 4e. Très rapide, le Monégasque n'a pas quitté le top 5 durant tout le week-end. Une nouvelle performance solide de la part de notre pilote national qui ramène de très gros points pour Ferrari au championnat. Prochain rendez-vous F1, le Grand Prix des États-Unis le dimanche 24 octobre. Oui, le temps de transférer toute la caravane de la Formule 1 sur le continent américain. Le troisième challenge Prince héréditaire Jacques s'est déroulé ce week-end. Après le succès des deux premières éditions, l'international de Monaco a fait son retour. La fédération monégasque de boules était accueillie au boulodrome Régnier 3, mais aussi sous le chapiteau de Fontvieille, transformé pour l'occasion. La compétition a attiré des joueurs venus de toute la France, même au-delà des frontières. Parmi les participants, plusieurs équipes nationales comme la Suisse, la Belgique, l'Espagne, le Portugal ou encore l'Italie. Et puis en basket, rien n'arrête la Roca Team. Invaincue en Euroleague après un match épique à Kazan vendredi soir, elle a remis les pendules à l'heure en championnat Betclic Elite. Les basketteurs monégasques se sont imposés à domicile face au Mans dimanche après-midi. Le résumé de la rencontre avec Frédéric Elion. Gagné pour effacer définitivement la douloureuse défaite à Levallois et prouver que ce match était un accident. Voilà l'objectif de la Roca Team face au Mans. Une équipe qui a débuté son championnat par deux victoires contre Boulogne-Levallois et Nanterre. Sans Mike James, Donatas Motiejunas et Brock Motum laissés au repos, un Monaco part du bon pied. Paris Lee et Rob Gray plantent chacun 7 points dans le premier quart-temps. Donta Hall commence son travail de destruction des cercles, 23-18 pour la Roca Team après 10 minutes. L'intérieur américain fait lever Gaston Médecin avec une autre action en haute altitude. Monaco passe un 8-1 au MSB et creuse l'écart 31-22. Le basket est une histoire de run. Le Mans répond avec un 8-2 avec Terry Tarpe et Tashon Thomas, meilleur marqueur manceau avec 15 points et 9 rebonds. Les deux équipes rentrent au vestiaire dos à dos, 41 partout. Les joueurs d'Elric Delors passent devant dans le troisième quart-temps, un 7-2 pour débuter, avec toujours un Thomas actif à l'intérieur. Danilo Andušić prend alors les choses en main, 20 points en 17 minutes pour le Serbe, qui en inscrit 11 dans le troisième acte. Avec une grosse activité au rebond offensif, Monaco finit fort, Le Mans craque dans les 15 dernières minutes. Paris Lee plante deux tirs clutch consécutifs à 3 points, plus 9 Monaco, qui gère la fin de match et décroche la victoire 81-70. We wanted to come out and be aggressive and I think we did that and we got back on the winning track for French League, so this is a good win for us at home. We're a good defensive team when we put our minds to it and just continuing to do that, we're going to go far. And our leaders do a good job, like our older vet guys, they do a good job of motivating the young guys to continue to play hard and play together, so I think it all helps. Prochain match de Betclic Elite pour la Roca Team, dimanche prochain, avec la réception de Dijon. Oui, avant cela, un programme chargé en Euroleague pour la Roca Team. Mercredi, un déplacement à Madrid, puis un match à domicile face à Barcelone vendredi. Deux rencontres que vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info. Ils sont destinés à promouvoir la culture et les arts. Les prix de la Fondation Prince Pierre de Monaco seront remis demain soir et le secrétaire général de la Fondation est notre invité. Pas de révélation de palmarès anticipé, mais un rappel des missions de cette entité culturelle et des prix qu'elle décerne. Bonsoir Jean-Charles Cureau. Bonsoir. C'est la grande semaine pour la Fondation Prince Pierre. Enfin, cela a débuté déjà depuis quelques jours avec la réunion des différents conseils. Demain soir aura lieu la remise des prix annuels. Quels seront-ils ? Parce qu'il y a une alternance selon les années. Oui, alors cette année, nous célébrons plus particulièrement le prix musical qui est devenu triennal, comme vous le savez. Donc c'est l'année de la musique. Le prix principal, le coup de cœur des jeunes mélomanes, le tremplin musical. Mais les prix traditionnels, c'est-à-dire le littéraire, lui, est resté annuel. Donc nous avons le grand prix littéraire, la bourse de la découverte et le coup de cœur des lycéens également demain soir.
Je vais vous faire rougir, Jean-Charles Curot. Le prix littéraire est notamment toujours très attendu et apparenté au Goncourt, Fémina ou Médicis en France. Quels sont les auteurs retenus cette année? Alors cette année, nous avons quatre personnalités de la littérature française, comme chaque année, mais là, ce sont vraiment des auteurs français, de francophones toujours, mais français. Donc, Claude Arnault, Benoît Dutertre, Annie Ernaux et Pierre Michon. Alors, je sais que vous n'aimez pas que l'on mette le coup de projecteur uniquement sur la littérature, mais il n'en reste pas moins que la littérature est la pierre angulaire de ces prix. Vous avez développé au fil des années le nombre de récompenses qui y sont dédiées. La matière est peut-être plus immédiatement accessible au public aussi. Tout le monde peut lire, il est peut-être un peu plus compliqué de s'intéresser à une œuvre d'art contemporaine ou à de la musique contemporaine. Les prix se sont développés, effectivement, donc le prix principal, et puis la bourse de la découverte qui a été créée pour les 50 ans du prix, et puis le coup de cœur des lycéens, dont le jury constituait de classes de seconde de la principauté. Et ce qu'il ne faut pas omettre de mentionner, bien évidemment, c'est que ces prix viennent rendre hommage à un homme, le prince Pierre, qui était féru de culture. Les prix ne rendent hommage à la personne qui les reçoit. Le prince Pierre a voulu que ce soit les artistes qui soient mis en avant, les créateurs. Et son fils, le prince Rainier, a créé la fondation à la mémoire de son père. Donc on a une sorte de système englobant qui permet à la fois de rendre effectivement hommage, comme vous l'avez dit, au prince Pierre à travers les auteurs. Et c'est, je pense, ce qu'il voulait. Et il faudra donc attendre jusqu'à demain soir, mardi, pour connaître le palmarès. Absolument. 2021. Jean-Charles Curot, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Elle a ouvert le bal d'une saison bien remplie, une ultime saison pour Jean-Louis Grinda, qui quittera l'Opéra de Monte-Carlo à la fin de l'année prochaine. La soprano Angela Georgiou se produisait vendredi soir à la Salle Garnier. Le récit de José Sacré sur des images de Sylvain Perromal. Premier récital à Monaco pour la star internationale de l'art lyrique Angela Georgiou. C'était le 8 octobre 2021 dans une salle Garnier archi-comble. Accompagnée du pianiste Jeff Cohen, Angela Georgiou a interprété 24 leaders de 16 compositeurs différents, de Paisiello à Satie, en passant par Bellini, Donizetti, Tosti, Strauss, Rachmaninoff notamment. J'essaie en fait de pas faire beaucoup de leader album, comme on dit, hein, bon, à la carte. Mais c'est pour ça que j'ai mis des compositeurs différents avec des mélodies qu'on s'ennuie pas. Hein. pas avec mes leaders, jamais. On peut, j'aime pas de faire vraiment musicologie. Peut-être en Allemagne, on peut faire que Schumann, que Schubert, que c'est bien joli, mais c'est un peu ennuyeux pour 2021. Je chante pas beaucoup, mais quand je le fais où il faut et quand il faut. Quand il le faut, voilà. En attendant un retour que l'on souhaite très prochain à Monaco, Angela Georgiou fêtera en 2022 ses 30 ans de scène au Covent Garden à Londres. Merci. À bientôt maintenant. Ciao, ciao. Pour évoquer les autres informations culturelles du jour, nous retrouvons Vanessa Dessy. Une exposition intitulée « Émotions » rend hommage à Kiss Verkade. L'artiste s'est éteint fin 2020 à Monaco où il résidait. La ville d'Antibes lui rend aujourd'hui hommage avec l'exposition « Émotions ». Il s'agit d'une rétrospective au travers de portraits, mais surtout vous allez pouvoir découvrir les célèbres bronzes qui révèlent des corps en mouvement issus du sport, de la danse ou du cirque. Le souverain était présent lors de l'inauguration. La cinquième édition du concours international de rose, prévue initialement fin avril, début mai, a été décalée en raison de la crise sanitaire. Elle avait été reportée au début du mois d'octobre, Vanessa.
Et une période qui n'est pas propice au fleurissement de ces plantes. La moitié des rosiers en compétition s'est retrouvée sans fleurs. Il était donc impossible de maintenir ce concours. En revanche, le prix du public a lui été maintenu. Je vous propose d'écouter le président du concours international de roses, Yves Piaget. Il est au micro de Fabien Bonilla. Tout n'a pas été annulé pour la bonne et simple raison que dès que nous avons reçu les rosiers de la part des obtenteurs, eh bien, nous avons ouvert le concours pendant tout l'été au public. Et il s'agissait pour nous de décerner un prix particulier à l'obtenteur que le public avait plébiscité dans le cadre de ses visites à la roseraie. Et cela s'est fait par Internet. Et par conséquent, nous avons pu, à la date de fin septembre, début octobre, eh bien, nous avons pu décerner ce diplôme, ce prix, particulièrement à une famille d'obtenteurs de la région de Lyon, qui est la famille Laperrière, qui est un obtenteur de renommée internationale et qui, fidèlement, a toujours participé à notre concours à Monaco. Et la 6e édition du concours international de roses de Monaco est déjà prévue le 4 mai 2022. Voilà, ce n'est donc que partie remise. Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, l'association d'Amorepsy propose une représentation théâtrale vendredi. En première partie, les adhérents de GEM proposeront des scénettes issues de l'atelier théâtre. En seconde partie, Erwan Kenel se produira dans le spectacle « La complainte du bipo ». Entrée dans la tête d'un bipolaire, le temps d'un spectacle. Spécialiste de l'Armagnac, le comédien décrit ses délires dans une scène musicale. Pour réserver, il vous suffit de contacter le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. C'est noté, place aux prévisions météo, sans lesquelles ce journal ne serait pas tout à fait complet. À quel temps doit-on s'attendre demain, Vanessa ? Eh bien, le ciel restera assez dégagé par moments, même si quelques passages nuageux sont attendus en début d'après-midi. Une légère brise sera présente durant la journée. Les températures iront de 12 à 17 degrés. Le soleil se lèvera à 7h39 et se couchera à 18h54. Et nous fêterons les Wilfried. Merci Vanessa, ce journal touche à sa fin. Je vous en rappelle le principal titre, le nouvel allègement des mesures sanitaires. Il n'y aura désormais plus de port du masque obligatoire lors des cours de sport ou en extérieur, hors des zones très fréquentées par le public. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour une nouvelle édition du journal sur Monaco Info. Nous nous quittons avec une invitation au voyage, une série de photos prises par Manuel Vitali lors du déplacement de la Roca Team à Kazan. Kazan, 6e plus grande ville de Russie, située dans l'ouest du pays et capitale du Tatarstan. Kazan où la victoire en Eurocup a été décrochée par les basketteurs monégasques au printemps dernier et où l'équipe s'est encore imposée vendredi en Euroleague. Bon voyage, à demain.